Bonjour à tous, ici Samir pour iPhone-astuce.fr. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment définir un navigateur par défaut. Car comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vais vous l'apprendre tout de suite, Google Chrome a sorti l'application Chrome pour iOS. Alors cette application est très fluide et rapide et très jolie aussi. Donc l'application, le tweak que je vais vous présenter s'appelle Browser Chooser. Alors je vais vous présenter dans un premier temps l'application Chrome. On la lance. Donc là, comme vous pouvez le voir, page Google, hein, pas mal. Voilà. Alors pour faire une recherche par exemple, c'est très très joli. Donc on va rechercher Facebook par exemple. Comme vous pouvez le voir en haut là, il y a une petite barre bleue pour montrer le chargement. Quand on veut fermer l'onglet, donc là pour la présentation des onglets, c'est comme ça, en haut, en bas, après ça suit, c'est coulissant. Et voilà, quand on ferme les deux onglets, il y a ça qui apparaît. Donc c'est comme sur Google Chrome sur l'ordinateur. Alors vous avez les carrés ou avec différents sites internet récemment fermés. Après ici en bas les favoris et ici c'est la connexion à Google Chrome. Voilà, alors je vais vous faire un exemple du tweak que je vais vous présenter. Alors j'ai mis un lien ici, Google. Alors quand je clique sur ça, normalement si j'ai pas le tweak installé, ça me lance avec Safari. Mais là avec Browser Chooser, ça va me lancer avec Google Chrome. Donc ouais, regardez. Voilà. Et là je suis sur Google Chrome, pas sur Safari comme vous pouvez le voir. Alors pour télécharger ce tweak, il vous faudra votre iPhone ou votre iDevice jailbreaké sous n'importe quel firmware et l'application Chrome. Alors je vais vous montrer ça tout de suite comment faire. Alors une fois lancé Cydia, vous allez aller dans Source, gérer, en haut à droite ajouter, modifier, ajouter, et vous allez ajouter cette source rptree.ch/repo, donc ajouter à source. On attend le chargement. Voilà, donc vous faites un retour à Cydia et vous avez plus besoin, vous allez aller dans recherche. Donc, vous allez marquer browser chooser. Voilà, ça va le trouver. Donc ce tweak sera disponible prochainement dans la source iPhone Astuce qui s'affiche ici. Alors vous allez relancer votre Springboard. Voilà, vous allez entendre le bruit ici, il est connecté à votre ordinateur. Vous allez déverrouiller et il y aura besoin de quelques petits réglages. Donc vous allez aller dans réglages, au browser chooser ici, et là vous choisissez un des deux navigateurs. Donc après il y a plusieurs navigateurs disponibles aussi sur iOS comme Skyfire, et vous pouvez choisir donc Safari ou Chrome. Donc moi j'ai pris Chrome car l'application est vraiment très très fluide et on va faire un petit exemple vite fait. HTTP. .fr. Alors hop. Hop, on lance et voilà, ça se trouve sur Google Chrome. Donc sur la version mobile. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, allez visiter le site iphone-astuce.fr et suivez le compte iPhone Astuce sur Twitter. Voilà, salut.